Accueillons maintenant, voici Vanessa Paradis. Ça va? Ça va. C'est vrai qu'on ne sait plus jamais qui on reçoit avec Vanessa, parce que la dernière fois qu'elle est venue, c'était juste avant Noce Blanche. Oui. Hein? Et puis quelques jours plus tard, prix Romy Schneider, César 90. Oui, mais je suis toujours la même, quoi. C'est pas parce qu'il y a des prix en plus que... D'accord, mais pour l'actrice, compliment quand même. Oui. Alors là, c'est la chanteuse. Oui. Donc j'aurais pu dire aussi, révélation, non, même pas, meilleure chanteuse, 90, aux Victoires de la Musique. Mm. Un nouvel extrait de l'album? Oui, un nouveau 45 tours, qui s'appelle Tandem. Et qui est signé du couple magique? Et qui est signé, oui, de Franck Langoche pour la musique et de Serge Gainsbourg pour les paroles. Voilà, Tandem, dans un instant, juste après la pub, Vanessa va aller se mettre en place. Tandem, extrait, bien entendu, de l'album. Et Tandem va bien avec le titre de l'album, hein, variation sur le thème. Thème, T'apostrophe, et le verbe aime. Et les mots t'ont pas paru un peu durs, quand même, quand Gainsbourg t'a amené ses 11 chansons? Non, non, enfin... Souvent, c'est cette question qui revient... Ah oui, parce que quand... Qui revient dans... Parce que quand on écoute bien, c'est quand même d'un pessimisme. Oui, mais c'est ça, les textes de Gainsbourg. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même une sacrée beauté dans le pessimisme de Gainsbourg, quoi. Et
T'as réalisé quand même qu'ayant demandé, ce qu'il faut savoir, que Vanessa a eu le culot un jour de téléphoner à Gainsbourg parce qu'il avait dit du bien, hein? Oh, enfin, téléphoner, c'est un grand mot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que je l'ai entendu parler de moi à la radio et j'ai demandé à mes producteurs à moi de demander à ses producteurs à lui. Pour une chanson? Pour une chanson, oui. Et quand il a écouté toutes les musiques, il a craqué et il a fait tout l'album. Les musiques de Franck? Oui. Et il lui a amené 11 chansons. Oui. Écrites tout spécialement pour Vanessa en 8 jours. Et alors, honnêtement, tu lui as fait corriger quelques chansons ou pas? Bah, honnêtement, c'est vrai que, mais ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi, mais je veux dire, même le meilleur auteur du monde en studio, c'est quelque chose de pas purement technique. Quand un mot rentre pas dans le pied de la chanson, il faut le transformer, il faut en faire un autre, ou il faut l'accommoder au pied de la chanson, comme c'est découpé. Et il a dit oui. Et bien sûr qu'il a dit oui. Enfin, je lui ai demandé gentiment. Gainsbourg, quand même. Elle les fait toutes craquer. Tu vas refaire du cinéma? Ben, j'espère que je vais faire du cinéma, mais le problème, c'est que les scénarios qui arrivent maintenant, les gens ont fait un peu la caricature de Mathilde, qui était l'héroïne de Noce Blanche. Et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai pas envie d'être simplement... De refaire la même chose, oui. Et puis en même temps, j'ai pas aussi envie de faire du cinéma ring pour en faire. J'ai vraiment envie de craquer sur un rôle comme je l'ai fait pour Noce Blanche, quoi. Je l'ai fait pour Mathilde, quoi, parce que c'était un rôle vraiment sublime. Et la scène, on en parle beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas de projet vraiment fixé. Mais... Donc c'est la carrière toujours bien conduite. On y va doucement, oui. Vanessa Paradis. Merci Vanessa. Tandem. Carl Zéro.